Alors, il est 9h20. Demain, c'est la rentrée pour Georges. Et j'enlève mes claquettes. Et voilà. Je viens d'aller me chauffer à la salle de bain. Ça fait une demi-heure que je suis en train de me dire, je vais à la douche maintenant, j'y vais pas maintenant. Je vais à la douche maintenant, j'y vais pas maintenant. Je vais à la douche maintenant, j'y vais pas maintenant. Donc j'ai dit, bon, allez, arrête d'hésiter, va à la douche, ça sera fait. Et puis ça me réchauffera parce que je suis gelée. Il fait, à mon avis, il fait pas très chaud. Hein. Bon, 16 degrés, mais maintenant ils disent 19. Ah, il prévoit quand même 27. Oh, 29 degrés cet après-midi. Enfin, ce soir plutôt. C'est un peu plus chaud qu'hier où il faisait 12 degrés. Hein. Hier, j'étais gelée pour aller à la sieste. J'ai dû mettre une deuxième couverture tellement j'avais froid. Alors, hier, j'ai refait mes ongles. J'ai fait, j'ai mis le vernis chromatique rose de essence et j'ai remis le top coat, enfin le truc holographique. Riley, lâche-le! Stop vous deux! Elle attend que j'appuie sur enregistrer. J'ai remis le vernis, enfin le top coat chromatique de chez Essie. Je vais y arriver, hein, mais je suis fatiguée. Tout simplement, je suis fatiguée. Je dors très mal, là. Ça fait 2-3 jours, je dors très mal. Oh, ça fait longtemps que j'avais pas maillé en vlog. C'est cadeau. Laisse-les tranquilles. Maintenant, je vais faire chier les titis. Ah bon, parlant des titis, vous vouliez les voir, je vais vous les montrer. Je prends mon téléphone et je vous les montre tout de suite tant qu'ils sont dehors. J'ai préparé les mini marshmallows pour éviter qu'ils se barrent, parce que sinon, quand j'ouvre, ça se barre, ces petites choses-là. Non, non, Silver, non, 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 pas dans la cage. Non, mon cas. Sky, c'est toujours rien qui manque. Coucou, bonjour, bonjour mon petit bébé, bonjour mon petit bébé, c'est bon hein, oh c'est du bon les marshmallows, oh là 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 là, Sky, tu veux un marshmallow, Sky, voilà pour lui. Bon, je vais leur mettre l'autre au-dessus de la... J'ai fait la cage et ils ont été renversés leur bouffe. Regardez, ils m'ont explosé tout sur le... Faut que je renettoie tout. C'est vraiment des porcs, ces trucs-là. C'est un truc de fou. C'est des gros cochons. Hein, mais vous êtes des gros cochons. Bah oui, vous êtes des gros cochons. Vous entendez la petite... Voilà, bon, je vais fermer avant qu'ils aient fini. Au moins, vous les aurez vus, vous avez de la chance, on m'a demandé de les voir, ben voilà, c'est fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est vraiment des dégueulasses, hein, ces bestioles-là. Ça m'en fout partout. C'est des crados. Je vous jure, bon, après, ils sont à 4, hein, c'était moins crade quand ils étaient qu'à 2. Riley, lâche-le! Lâche-le! Mais... c'est répugnant. C'est vraiment des bestioles répugnantes. Ils m'en foutent partout. Bon, les chichous aussi, hein, faut dire. Mais eux, c'est des petites crottes toutes sèches, donc un petit coup d'aspirateur en dessous de la cage et c'est nickel. Eux, il faut que je frotte tous les murs et tout, tous mes trucs posés à côté. C'est des gros crados. Bref. Ah, j'en ai pas. Bizarrement, j'ai une grosse poussée de stress à chaque fois que... les chiens foutent le bordel, pas que Riley fout le bordel, parce qu'en principe il y a quelqu'un qui me stresse, les autres sont calmes.
Là, je vais aller à la douche, ils vont aller me retourner la chambre. Hier, j'ai reçu une commande Chine que j'avais fait pour le swap de calendrier de l'Avent avec Manon. Et j'avais commandé une chaîne avec une croix que je trouvais très belle. Bon, c'est de la gnognotte, hein, elle était vraiment pas bien chère. Sauf que la chaîne passe pas dans l'anneau. Donc j'avais deux possibilités, soit de changer l'anneau, soit faire un autre collier avec des perles. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, la croix elle est sublime. Elle est magnifique et du coup j'ai juste fait avec putain le ménir avec des perles de rocaille un peu roses. Allez. Voilà, trop beau. Bref, j'ai presque fini tous les bijoux pour le concours calendrier de l'Avent que je vous prépare. Comme ça, après, bah, tous ceux que je ferai, ça sera un bonus le jour pour le 25. Hein, écoutez, voilà. J'ai tout préparé. Je ne sais pas si vous allez voir sur ma table. C'est le carton là, le marron. J'attends que Chérie me ramène les cartons du boulot pour l'emballer dedans plus vite. Oh, mais c'est pas possible! Là, le bruit qu'elle fait quand elle joue, alors imaginez-vous quand elle râle. Ils sont en train de se coucher l'un sur l'autre et de s'écraser sur le sol l'un sur l'autre. Ils m'ont remis la couverture par terre et l'oreiller par terre, ils m'ont foutu le canapé en désordre. Pire que des bébés. Si j'avais des petits gosses, ce serait pas pire que ça. Elle a pris un jouet, ça devrait être un peu plus calme. Bref. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire. Ce que je suis contente, c'est que j'ai pu vous montrer un petit peu les titis. Même que j'ai pas eu le temps de faire la cage avant de vous les montrer, mais là il fallait en profiter tant qu'ils étaient au moins 3 sur 4 dehors. Sky est en train de remuer dans son truc, mais elle a pas l'air d'avoir envie de bouger. On a dit qu'elle fait sa toilette. Après je vais regarder quand même si elle n'est pas accrochée, mais ça m'étonnerait. Elle s'accroche pas, elle fait ses ongles. Il n'y a que Silver qui s'accroche un peu partout. Donc voilà, bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui on est déjà bon. Ouais, si ça m'est motivé demain, je vous montrerai un peu sa gueule pour le jour de la rentrée. À mon avis, ça va être gag. Ça va être gag, surtout qu'elle n'est pas encore levée. Je sais pas à quelle heure ils se sont couchés. On verra bien. Bon, sur ce, moi je vais aller me laver le cul. Voilà, voilà. Donc, sur ce, on suit le jour. Il est 3h moins le quart. Ouais, il est super tard. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai super mal dormi. Donc, j'étais vaseuse toute la matinée. J'étais à la sieste. Pas moyen de dormir. C'était un complot. Un complot. Riley était infernal. Elle arrêtait pas de bouger, de se lécher, de redescendre du lit, de descendre des escaliers, de remonter. Elle a pas arrêté. Eu de grogner sur le gros aussi. Après, il y avait un moustique qui me faisait chier. Il y a le mythe. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Ah oui, j'ai eu un appel encore pour du démarchage. En plus. Donc, voilà. C'était vraiment un complot afin de ne pas me laisser dormir, je crois. Ma sieste a été aussi merdique que ma nuit. Donc, j'ai pas dormi beaucoup. Mais là, je me dis, il faut quand même que je me bouge un peu parce que je voulais nettoyer. Mais j'ai vraiment pas le courage. J'ai rien nettoyé à fond ce week-end, mais ici ça reste propre que 10-15 minutes, donc normalement je le refais deux fois sur la semaine, là j'ai pas fait encore, et ça se voit. Là j'attends deux commandes Temu, d'ailleurs il y en a une, j'aurais déjà dû avoir les 5 euros de... puisqu'ils n'ont pas livré à temps, j'aurais dû l'avoir hier grand max, l'autre aujourd'hui grand max, donc pas de bol, j'aurais qu'une fois 5 euros. Et... demain, j'ai une commande Chine qui arrive, donc vous avez vu que j'avais une lubie, j'étais dans ma passe accessoires cheveux, et je suis repassée en passe chaussettes.
Donc j'ai recommandé deux lots de paires de chaussettes, vous savez, celles que j'avais commandées dans le dernier haul, là, les dépareillées, enfin, accordées, mais dépareillées, enfin, je ne sais pas comment expliquer. J'ai recommandé deux lots, elles arrivent demain, donc on les découvrira ensemble, parce que je pense pas que je vais faire un haul, quoique j'ai acheté, j'attends une autre commande Shein encore avec encore plein de chaussettes, mais là que j'ai acheté à la paire. Pourquoi? Je sais pas pourquoi je fais ça, hein, mais je le fais. Donc voilà, voilà. Mais je pense que ouais, demain on les découvrira, parce que même si je fais le haul, je vais pas montrer toutes les paires de toute façon, donc on pourra découvrir ça ensemble. Faut que je regarde, mais je pense que j'ai pas grand chose à part des chaussettes autres que des chaussettes qu'en fait, je veux dire. Donc je pense pas que je ferai un haul Shein, je vais voir suivant, je me souviens plus trop ce que j'ai commandé. Bon après il n'y a pas que pour moi, hein, y a pour le swap aussi. Donc tout ce qui est swap, forcément je peux pas vous montrer. Hier j'ai fait beaucoup de commandes. pour moi et pour le swap, j'en ai refait une à l'instant. J'ai vu un robinet sur Temu pour la cuisine qui me bottait bien, mais il était à 20. Ça dépendait sur où vous le trouviez sur le site. Il était entre 22 et je l'ai vu jusqu'à 43 euros. Donc je me dis, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est juste la tête qui s'adapte sur un autre robinet? Est-ce que je peux pas faire sur le mien? Donc je regardais, puis j'ai dit bon, bah, je vais attendre, il faut que j'en parle avec chérie et tout. Et puis là, j'ai eu un bonus, il m'est revenu à 7 euros le robinet. Donc j'ai dit, même si il va pas à ce prix-là, hein. Écoutez, je le renverrai. Mais voilà, du coup, je l'ai commandé avec d'autres choses, forcément, puisque on est obligé de commander pour 25 euros, ce qui est totalement chiant. Et maintenant, Shein, ça devient chiant aussi pour les frais de port gratuits. Hein. La vache... Vas-y, je viens de me faire un café froid, il est au frigo, donc en attendant, je me refais un chaud. Voilà, voilà. Ah, peut-être que vous allez voir, parce que le chien gueule de dehors, derrière. Bon, je vous laisse avant que ça gueule. Trop tard. Alors, il est 9h40. Le facteur vient de passer, donc je suis contente, parce qu'une fois qu'Enzo sera rentré, je vais pouvoir aller à la sieste. J'ai reçu ma commande Shein avec mes chaussettes et je suis extrêmement dégoûtée. Je vous ai dit, j'ai pris deux lots de 10 paires random. J'ai eu deux fois le même. Et là, les trois premières que je vois, je les ai déjà. Donc on va ouvrir un paquet, l'autre je vais voir pour faire un échange. Avant d'ouvrir ça, je vous montre, j'ai reçu mes perles, donc j'ai recommandé ces perles là. Je les adore, je les ai mises partout. C'est celle où j'ai fait ma croix et j'ai fait plein de choses, vous voyez, comme ça, donc voilà. Je les aime trop, j'en ai plus, donc enfin presque plus. Du coup, j'en ai profité pour prendre des petites perles blanches et noires. Là, je viens de commander des rocailles. Là, c'est des 3 mm, je crois, de mémoire. C'est pas marqué. C'est pas marqué la taille, mais c'est des, ouais, c'est des 3 mm. Et j'ai pris également celle-ci. Alors attendez, là, c'est bien fermé. Là, c'est en 4 mm. On va dire qu'elles sont belles. Voilà, c'est des unis comme ça. Bon, probablement je ne saurais faire qu'une pièce ou deux grand max avec un truc, mais bon, il y a plein de couleurs différentes. Les vertes ici, elles sont canon. Les gris anthracite là aussi. Il y a des belles couleurs. Il y a du marron, ça j'en ai pas du tout. Des petites roses ici, un peu corail comme ça, elles sont jolies aussi, enfin elles sont très belles. Donc voilà, encore des perloses. J'ai plus de ma petite table, elle va finir par s'écrouler. J'ai pris un livre pour me détendre. La Chive vachement normale, qui lit Philippe Boxo. Voilà, je l'ai découvert, c'est Enzo qui me l'a partagé. Il m'a partagé un de ses TikTok, j'étais mort de rire, puis je suis tombée sur des interviews de lui
sur la chaîne Légende. Il est excellent, il est belge, c'est un médecin légiste belge de la région, en plus la région wallonne. Et voilà, du coup il a 3 bouquins, il y a les 3 ici. J'ai mis le dernier en wishlist pour le swap, mais les 2 premiers, je sais, là, le premier je l'ai déjà acheté et à mon avis je vais vite me le dévorer, quoique c'est écrit extrêmement petit pour moi. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est quand même assez petit. Mais je pense que ça se lit bien quand même. Et voilà, les morts ont la parole. Il explique des cas d'autopsie, enfin de son boulot de médecin légiste. Et quand il en explique sur internet, là sur YouTube, moi je suis explosée de rire parce qu'il raconte ça d'une manière. C'est un belge quoi. Voilà, donc je vous conseille d'aller voir sur la chaîne Légende, il y a 3 ou 4 vidéos avec lui. Il est génial. Donc du coup, je me suis acheté le bouquin. Et voilà. Je vais vous montrer. Je me marre depuis ce matin. Il y a des orages. Je me suis réveillée à 5h30 à cause de l'orage. Ça n'arrête pas de tomber depuis ce matin. Chérie voulait faire un barbecue ce soir, donc je pense que c'est un petit peu mort. Je dis ça, je dis rien. J'ai fait des petits accessoires cheveux. Donc là, j'ai fait ça, j'ai mis sur un élastique. Et j'ai fait comme ça sur pince. Voilà, sur pince française. Hein. Et j'ai également reçu hier, ceci, c'est un kit que j'ai commandé sur Temu pour faire des petits anges en perles. Je vous montre ce que ça donne. Je m'en suis fait un pour moi pour mettre en tant que collier parce que bon, moi je mets pas de boucle d'oreille. Donc ça donne ça. Alors j'en ai fait plein hier, hein. Vous en aurez, vous inquiétez pas, vous en aurez en pendentif et en boucle d'oreille et également en boucle d'oreille. Moi j'ai fait pareil en pendentif, mais je me suis amusée avec les trucs. Au lieu de faire un petit ange, j'ai fait une petite fleur. Voilà, j'ai mis à l'envers la truc et regardez, ça fait une petite, un petit lis comme ça, je ne sais pas. Et voilà, c'est assez joli aussi, ça fait un peu féerique en boucle d'oreille. Donc voilà, vous aurez ça dans le calendrier de l'Avent que je vous prépare. Mais moi, je me suis fait en pendentif. Et là, j'en ai fait 2 parce que je me suis dit, je ne les ai pas fait à la même hauteur. C'est merdique. Comme ça, je me suis dit, je peux mettre les 2 après un collier. Vous voyez, ça fera joli aussi. Et voilà, voilà. Donc, j'ai fait ça hier. Donc, on va ouvrir un paquet de chaussettes, hein, puisque... Donc, les 3 premières, déjà, seront pour vous, puisque moi, je les ai déjà. J'en vois encore une paire, là, que j'ai déjà aussi. Mais on va découvrir les autres. Alors, ça, j'ai déjà, avec les petits oiseaux. Je les adore, ça, je crois que c'est mes préférés du lot. Avec les avocats aussi, les avocats j'aime beaucoup. Donc celles-là seront pour vous parce que je les ai déjà. Les petits pandas, pareil, font partie de mes préférés que j'ai déjà aussi. Donc elles seront pour vous. Je ne vais pas avoir beaucoup de paires de chaussettes à moi en fait. Hein. Le petit lapin avec les carottes, j'ai déjà. C'est vraiment dommage. Et les petits pingouins, j'ai déjà aussi. Donc ça fait déjà 4 paires sur 10 que j'ai déjà. Et en plus, ils m'ont envoyé 2 fois le même. Alors celles-là, elles sont trop belles. Les petits pingouins comme ça, je ne les ai pas. Et les couleurs, j'adore. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est pour moi. Celles-là, j'ai déjà eu aussi que j'avais donné. Donc je les mettrai pour vous aussi, hein, puisque moi, je les ai données. Voilà, avec la canne à pêche. Donc ça me fait... Déjà que la moitié des chaussettes pour moi. Hein. Les petites tortues. Ah, c'est beau aussi ça. Vous voyez, vous avez les tortues sur une et juste des écailles comme ça sur l'autre. J'aime beaucoup. Ici, il y en a un tigre. Ça, enfin, des tigres. J'avais pas encore eu non plus. Donc ça, je mettrai, je suis contente. Ici, on a appareil photo et pellicule. Excellent. Donc je ne mettrai pas, enfin si je les mettrai, celle-là je ne les ai pas, je veux dire. Et on a ici avec une espèce de chat,
Ouais, avec des lunettes de soleil pastèque. J'aime beaucoup. Voilà. Bon, ben du coup, j'ai que la moitié pour moi et la moitié pour vous, hein. Donc je vais essayer de voir pour renvoyer l'autre, puisque c'est exactement le même. Et essayer d'échanger parce que c'est le même. C'est vraiment. La dernière fois, j'avais eu deux lots différents au moins, quoi. Ah oui, mais c'était pas le même modèle. Il y avait les dépareillés et les pareillés. Donc voilà, vous aurez 5 paires de chaussettes dans le concours de Noël. 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Avec les petits oiseaux, les petits pandas, le petit lapin, les pingouins sur la banquise et les petits poissons. Voilà, je vais vous mettre ça de côté pour le concours de Noël. Ça fera toujours un lot en plus et c'est utile. J'espère que ça vous plaît. C'est vraiment mort pour le barbecue. Oui, moi je me marre depuis ce matin avec ça. Voilà. Bah, écoutez, ce vlog va être hyper court, je pense. J'ai pas fait grand-chose cette semaine. Enfin, c'est quelques jours là, c'est sur 3 jours. Hein, donc, j'ai pas fait grand-chose. Là, il faut que je fasse la bouillie des titis. Hier, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé à quelle heure? Moi, dans l'après-midi, je crois que j'ai nettoyé après ma sieste. Là, je vais aller attaquer la bouillie des titis. Je suis toujours morte de rire. Il fait merdique dehors. Mais alors, merdique de chez merdique, ça tombe. Il pleut comme vache qui pisse. Et je suis en train de penser au barbecue. J'espère que chérie a prévu un plan B. Hier, j'ai passé la journée à regarder des films d'horreur. Voilà, c'est quand ça me toque. Là, je pense que je vais faire pareil aujourd'hui. Je vais déjà ranger mon bordel sur la table parce que j'ai tous mes cartons et mes papiers qui traînent. Préparer la bouillie des titis. Quoi que je ferai peut-être après la sieste parce que de toute façon comme ça ils en ont pour ce soir de la fraîche. Je vais aller regarder pour Chine aussi, comme ça à la limite on peut aller reporter le colis tout de suite demain. Autant qu'ils me les échangent hein, ou sinon je vais voir pour avoir un remboursement, tant pis, hein, j'aurai que 5 paires de chaussettes. Bah, après j'ai encore toutes celles qui vont arriver là que j'ai commandées à l'unité. À la paire. Quand je dis j'ai raconté ça à Sam hier. Parce que du coup, j'en ai pris avec des petits cochons, et comme sa copine est fan de petits cochons, je lui ai pris une paire aussi. Hein. Et chérie, il se foutait de ma gueule, il me dit, t'as commandé des chaussettes à la pièce? Il dit, c'est débile. C'est une paire. Donc, je sais pas. Je vais voir ce que ça donne sur Chine. Je vais regarder ça tout de suite. Ça tonne. J'aime bien l'orage. Voilà. Bah écoutez, sur ce, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire, attendez, on est quel jour pour vous là? On est samedi, donc lundi avec un haul Jiffy. Je vous ai dit que j'avais été chez Jiffy, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas été. Donc je vous ai filmé le petit haul, et voilà. Donc sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous!